Ce jour-là, sur la piste cyclable à Sadirac, le maire Edmond Pacler reçoit Galland Lafaillite, un promoteur immobilier. Vous l'avez bien compris, ça bouge car une poignée d'habitants de la commune, très bien informés, s'inquiètent. Cette visite va officialiser un projet jusque-là secret, le projet Pimpine Plage. Il s'agit ni plus ni moins d'aménager le bassin de rétention situé en amont de la Maison du Patrimoine en complexe balnéo-touristique. Les manifestants envisagent un autre avenir pour le site. Ils vont perturber le discours du promoteur. Ce n'est pas, on n'a pas fait dans la démesure. On vous a écouté et on va faire seulement un immeuble. Regardez, monsieur le maire. Un immeuble de 5 étages sur 900 mètres de long. Et évidemment, vous aurez un appartement qui donnera sur la baie de la Pimpine. C'est normal. Sadirac, pour vous présenter une espèce de riz. Mais du riz comme ça, il n'y en a pas. Regardez, je vous ai amené des spécimens. C'est pas rigolo, hein. Je sais pas, c'est pas du risotto, monsieur. D'accord. C'est du riz cantonné. D'accord. Cantonné. Cantonnier, on y est. Cantonnier pas, on n'y est pas. On n'y est pas. Vous imaginez un site aurifère? Vous achetez le terrain. Non, regardez. Voilà, c'est pour ça qu'ils veulent bâtir. Les belles pépites. Ils avaient repéré déjà le site. De la Pimpine. Non, à la destruction voilà, du filon. Voilà, monsieur le maire, ce qu'ils nous cachaient. Nous sommes contre la destruction du filon. Voilà, les travaux, c'est pour s'accaparer du filon aurifère de Sadirac. Voilà, justement, on de la Pimpine. Ne touchez pas à mes grenouilles. Tous ensemble, sauvons les grenouilles. Sauvons les grenouilles. Sauvons les grenouilles. C'est les algues. Va me toucher, monsieur le maire. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est une boue. Allez. C'est le bon Dieu qui nous a amené ça. Si vous touchez la boue, touchez la boue. C'est une véritable honte, monsieur le maire. Là. Mettez-vous sur la langue. Vous n'avez pas honte? 20 ans que nous protégeons la grenouillus pimpinus. Que vont-elles devenir, ces pauvres grenouilles? De toute façon, on vous a écouté, on est d'accord avec vous. Oui, les grenouilles, on va les sauver, on va les bouffer. Le riz, on l'accompagnera avec les cuisses de grenouilles. Voilà, exactement. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? La boue. On fera un lourd. La boue. Un lourd image, un olive lourd. La pêche, l'or, on l'amènera à la banque. On fera des bagues pour Annie, pour Natacha. On a des belles bagues, soyez heureux quand même. C'est un super projet. C'est magnifique. Ça me chatouille. Mais non. Il y aura une plage. Avec le bâtiment qui surplombera la plage. Magnifique. Soyez heureux qu'on fasse bouger Sadirac. Non, on n'est pas heureux. Mais si, vous aurez tous des emplois. Galland Lafaillite, fin négociateur, siffle la fin de la partie. De toute façon, on vous a écouté. Et puis on fera comme on voudra. Edmond Pacler, lui, donne le feu vert. Il explique au peuple les raisons de sa décision, fruit d'une très longue concertation. Comme vous le savez toutes et tous,
avec mon équipe municipale, nous tenons nos promesses. C'est-à-dire pas grand-chose. Sur cette terre de Saint-Dirac, pourront prospérer les cruches. Nous avons besoin d'idées nouvelles, audacieuses et prometteuses. Il nous faut redevenir un village ayant du pot et sachant éviter les tuiles. On n'a pas de pot, On n'en a pas. On tombe que sur des tuiles, nous. Je vous promets. Godard, on s'en fout. Donc, de la joie, du plaisir, des jeux, et des sous. Et des fêtes avec notre projet Pimpi de plage. On va être envahi par tout un tas de... on va être envahi. T'es bien monté, toi. Eh oui, c'est la foi d'un peu grosse. C'est ce qu'il faut, je crois. Il y a besoin de quelqu'un qui est plus entouré. Où, tous les jours, la peau des grenouilles. Où, tous les jours et tous les soirs, à partir de ce jour, nous attirerons la jet set bordelaise. Dans nos paillotes spécialisées construites au bord de l'eau. Dehors, les touristes, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Ici, ici. C'est quoi ce caoutchouc? Ici, dans quelques semaines, s'élèvera le nouveau complexe de pépinothérapie. Dans la pimpine, monsieur. Ouais. Hein? Et vous sortirez avec d'autres boutons que ceux que vous préoccupez. Oui, t'en veux. Hein? Tu vas écouter mon bâton, tu vas voir. On y prendra des bains debout. Oui. J'ai bien dit debout. Non. Que les autres se feront enduire au coucher. Mais non, lui, il préfère assis. Alors, t'en s'en fous. On y trouvera aussi des masseuses. Formé en Thaïlande. Des applications spécialisées des coteaux de Saint-Dirac. Vive monsieur le maire. Comme la purée d'ail sauvage, le jus de baragane, les sucres d'ortie, le vin de Thaïlandaise, ça suffit. C'est bon, le vin de On y organisera des tournois de belote. Ah oui. On va y chier dans un casino tenu par Bernard et Jean-Paul Jacobini. Deux anciens flics irréprochables de la brigade des mœurs et des jeux. De Bordeaux. Non, ils se sont recyclés dans la pêche et dans le riz. Dans la pêche et dans le riz. On veut pas de ça, nous. Il y aura un stade nautique avec homme attraction. Un spectacle exceptionnel. Avec des dauphins. Donc, célèbre Père Jean qui marche sur l'eau après le troisième mi-temps. il se fout de toi. Hein. Gégé, le maire me prend pour une otarie. J'ai le film de profil, tu vas avoir la chute. Gégé, c'est devant la première station des pédalos électriques de la maison Faillite. On ne veut pas de. Et déjà qu'on nous refuse les barques, maintenant ils veulent mettre des pédalos. On ne veut pas de pédales. Merci pour la suite. Merci pour la suite. Tous les pédalos pourront aller directement dans la piste cyclable sur l'immense lac que nous avons créé. Les grenouilles, comment on va faire? Les grenouilles, qu'est-ce qu'elle va devenir? Je suis aussi à mesure de vous annoncer que Claude Rémy et ses Pimping Girls animeront les soirées d'une grande boîte de nuit construite par sa belle-mère. Et donc, la célèbre Annie, ancienne bonne du curé, tiendra la caisse. Qu'est-ce que c'est que ces amènes? Il reste le restaurant étoilé, car il sera ouvert
quand il sera à ciel ouvert, avec Flavien au fourneau et Gillette à la caisse qui fera des crédits à tous les clients. Ah, ouais. Bravo. C'était terminé, c'était rosé, mais c'était fini. L'argent, 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 les coucous parties seront réorganisés par Noémie. Ouais, bravo. Mes amis. On n'est pas des amis. On n'est pas des amis. Mes amis, il y aura des dizaines d'emplois pour toutes les cruches, les cruchettes et les cruchons. Mes amis, Sadirac a besoin d'un grand projet pour son développement économique. Vous l'aurez. Tant que moi les cruches à l'eau, qu'à la fête et s'installe. Mes amis, Sadirac va revenir à Las Vegas du Créonnet. Ah. Oui, non, pas de Las Vegas, non. Mes amis, Pimpi, le plage est en marche. Mes amis, les nuits seront chaudes. Et comme l'a dit Johnny Audry, vous nous la vie va commencer, et notre pensée sort de l'oubli. Vive Pimpi, le plage, vive Saint-Dirac, puis les cruches, vive la République. Vive la France! Alors les massages thaïlandais qu'on va te faire, nous! Pas cruche, le peuple met à son tour en pratique les principes du dialogue et décide d'agir. Moi le maire, je le fous à poil. Allez, à poil! À poil! À poil! Le maire, à poil! Allez, chassé du village, le promoteur, sa secrétaire ne reviendront pas. Pour le maire, il est parti en voyage en Chine. Il est injoignable. Fabienne, Christiane, Pierre Baudroy, Rémi, Ping Pong, Monsieur Yang, André, Monsieur le maire, Audrey, Patrick, Gillette, Dominique, maire de Sadir, Annie. Eugène, promoteur reconnu. Pierre-Jean, Naturix.